Les étudiants peuvent faire un stage, mais souvent en dernière année. Et beaucoup ne trouvent pas cela suffisant. Je pense que ce n'est pas suffisant un stage seulement en dernière année parce que ça ne prépare pas assez au milieu professionnel, toutes les habitudes à prendre quand on est professionnel. Peut-être un stage tous les ans, pendant l'été, c'est peut-être possible, parce que ça permet d'avoir des compétences et beaucoup plus d'expérience pour entrer sur le marché du travail. Aujourd'hui, 18% des jeunes n'ont pas de travail, alors que le taux de chômage moyen n'est que de 6%. Grâce à l'apprentissage au travail, les entreprises forment les étudiants aux compétences spécifiques requises pour les métiers en pénurie, un début de solution au problème des formations. Pour cela, 19 entreprises et organisations patronales se réunissent dans le Global Apprenticeship Network Belgique, en abrégé CAN Belgique. C'est Nico Reskens, le directeur général d'Adecco Group, qui prend l'initiative. Met CAN willen we het werkplek leren stimuleren. De voorbije jaren werd er fantastisch werk geleverd in het secundair onderwijs. Maar we zien ook dat in het hoger onderwijs jongeren dikwijls niet over de competenties beschikken die wel noodzakelijk zijn om te slagen in een job. CAN Belgique demande que le gouvernement accorde plus d'attention à l'apprentissage au travail dans l'enseignement. Jongeren studeren af met zeer goed ontwikkelde jobspecifieke skills. We stellen echter vast dat transversale skills, zoals kritisch denken, werken in team, empathisch denken, dat die onderontwikkeld zijn. Met werkplek leren hebben ze de mogelijkheid net die ontbrekende elementen te ontwikkelen. CAN a été fondée en Suisse et depuis le programme s'est développé dans 12 pays, dont la France et l'Espagne.